السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم مجددا في قناه معلم اللغه الفرنسيه اليوم ان شاء الله سوف نرى طريقه جد فعاله في تعلم اللغه الفرنسيه ولكن قبل البدء دعوني اخبركم ان هذه القناه هي منكم واليكم وكما اصبح من واجبي ان ابذل جهدا كبيرا وابحث دائما على دروس في المستوى فهو ايضا من واجبكم دعم القناه وذلك سواء بوضع اعجاب او تعليق ايجابي او مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي فلا تبخلوا على قناتكم فدعمكم هو ما يحمسنا لبذل جهود اكبر والاستمرار وكنصيحه اريد ان اخبركم بانه من سيستمع للفيديو للاخير سيستفيد من 30% من معلومات الدرس ومن سيستمع للفيديو للأخير ويدون ما سمعه سيستفيد من خمسين في المئة من معلومات الدرس ومن سيستمع للفيديو للأخير ويدون ويطبق ما سمعه سيستفيد من أكثر من تسعين في المئة من معلومات الدرس فأتمنى أن تسمعوا وتدونوا Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de la série ⁇ Meilleure façon d'apprendre le français ⁇ Tant que vous êtes ici, cela veut dire que vous avez compris que c'est réellement la meilleure méthode d'apprendre le français. Cette fois aussi, on va voir des mots, des phrases. Tout en français. Mais bien sûr, je vais aller très lentement pour que vous puissiez capter le maximum. Avant de commencer, je veux vous remercier pour tous les commentaires et les likes que j'ai reçus. C'est vraiment très encourageant et ça me donne envie de faire plus de vidéos. Allez, on va commencer maintenant. Maintenant, regardez avec moi cette image. On voit... Un vieil homme, une vieille femme. Répétez. Un vieil homme, une vieille femme. Maintenant, on va voir le mot heureux. Heureux. Comme vous voyez dans l'image, cet homme, il est heureux. C'est-à-dire, on va voir le mot heureux. Répétez. Heureux. Dans cette image, on voit un vieil homme avec un chapeau, des lunettes, sa barbe blanche, son joli manteau, on va maintenant construire une phrase. Ce vieil homme heureux est très élégant. Ce vieil homme heureux est très élégant. Répétez avec moi. Ce vieil homme heureux est très élégant. Un vieil homme, une vieille femme. Un vieil homme, une vieille femme. Répétez avec moi. Un vieil homme, une vieille femme. Heureux. Heureux. Répétez. Heureux. Ce vieil homme heureux est très élégant. Ce vieil homme heureux est très élégant. Répétez. Ce vieil homme heureux est très élégant. Maintenant, c'est votre tour de répéter tout seul. Maintenant, regardez avec moi cette image. On voit un jeune homme, une jeune fille. Un jeune homme, une jeune fille. Répétez. Un jeune homme, une jeune fille. Le deuxième mot, c'est amoureux. Amoureux. Répétez. Amoureux. Ce jeune couple. Amoureux ont un bébé. Ce jeune couple amoureux ont un bébé. Répétez. Ce jeune couple amoureux ont un bébé. Un jeune homme, une jeune fille. Un jeune homme, une jeune fille. Répétez. Un jeune homme, une jeune fille. Amoureux amoureux répétez amoureux ce jeune couple amoureux ont un bébé ce jeune couple amoureux ont un bébé répétez ce jeune couple amoureux ont un bébé Maintenant c'est votre tour de répéter tout seul. Maintenant le mot qu'on va voir c'est triste. Triste. Répétez. Triste. Seul. Seul. Répétez. Seul. Avoir de bons amis vous rend la vie facile. Avoir de bons amis vous rend la vie facile. Répétez. Avoir de bons amis vous rend la vie facile Triste, triste répétez, triste seul seul répétez seul Avoir de bons amis vous rend la vie facile Avoir de bons amis vous rend la vie facile. Répétez. Avoir de bons amis vous rend la vie facile. Maintenant, c'est votre tour de répéter tout seul. Le mot suivant qu'on va voir c'est problème problème répétez problème se disputer se disputer répétez se disputer se disputer du même problème est vraiment ridicule se disputer du même problème est vraiment ridicule répétez. Se disputer du même problème est vraiment ridicule. Problème, problème, répétez. Problème. Se disputer, se disputer, répétez. Se disputer, se disputer, se disputer du même problème est vraiment ridicule. Se disputer. Du même problème est vraiment ridicule. Répétez. Se disputer du même problème est vraiment ridicule. Maintenant, c'est votre tour de répéter tout seul. Le mot suivant, c'est ensemble ensemble répétez ensemble fort fort répétez fort seul tu vas vite ensemble on va très loin seul tu vas vite ensemble on va très loin répétez. Seul, tu vas vite, ensemble, on va très loin. On va voir ça ensemble une deuxième fois. Ensemble, ensemble, répétez. Ensemble. Fort, fort, répétez. Fort. Seul, tu vas vite, ensemble, on va très loin. Seul tu vas vite, ensemble, on va très loin, répétez. Seul tu vas vite, ensemble, on va très loin. Maintenant c'est votre tour de répéter tout seul. Maintenant qu'on est à la fin de cette vidéo, est-ce que vous avez remarqué que vous êtes capable d'apprendre le français sans utiliser l'arabe? Croyez-moi, c'est la seule méthode pour bien apprendre la langue française. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et bien sûr un grand like et aussi partager avec vos amis. À la prochaine!